Faut que je fasse... Il me faut la tête de la quête pour demain. Il faut que je fasse des quêtes parce qu'il me faut du pognon pour me prendre des élixirs. Donc ouais, je sais qu'à un moment donné... J'ai plus de thunes juste pour le fun de tester. On a fait 5 boss, Demon, ce qui est pas mal du tout. On a encore jamais tombé le 6ème. Hein. 5 boss ce soir, sachant que ça reset demain. Voilà, ça reset bonus. Ce que je vais faire... Attends, je m'en fais Discord. Je vais aller faire une respé. Donc c'est vraiment... c'était bien, c'était très très bien. Tu as testé l'hémorragie. Une joyeuse, joyeuse découverte. Et j'y regarde ça. Est-ce qu'elle est pas belle, cette belle dague épique. Et cette belle petite dague épique, là. Ce bon petit bis, là. Tester. Donc, je suis bien content. Un bis bien charmant. Alors, quand on... Faut la tête, là. J'en peux plus de cette tête de merde. Terrible. Terrible. C'est le troisième. Après là j'ai encore un peu de PO donc je pourrais tenir encore le coup des PO des compos de raid de demain mais ensuite ouais, il va falloir vraiment que je fasse des quêtes pour avoir des PO quoi. Vous faites quoi? T'auras des gnomes juste à côté. J'ai pu cliquer dessus sans avoir les gnomes. On va avancer un peu les quêtes de Strangleron sans l'attendre dans l'event. Ouais, faudrait que je fasse des KT en vrai. Démo, ça remonte à BFA. Oh, c'est pas si vieux BFA, c'était il y a 5 ans, ouais. 6 ans, non, ouais, c'était il y a 6 ans. C'est vrai que ça remonte. C'est vrai que BFA, c'était il y a 6 ans depuis. C'était le tout début. C'est ce qui m'avait fait arrêter WoW d'ailleurs. C'est ce qui m'avait fait arrêter WoW. J'avais repris à. Enfin, j'avais arrêté Retail à ce moment-là, j'avais repris à Classique. Mais bon, pas longtemps, parce que c'était ultra toxique. Classique, commu française, quoi. Classique. Que de le dire. Mais elle est belle, la dague, là. Et là, en main gauche, je pense que le mieux, c'est le Necrodomicon, quand même. Bon, je gagne 2 intel, 2 esprit. Ah, c'est toujours 2 intel, c'est toujours 30 points de mana. Hein. C'est pas si mal, en vrai. Mais bon... Oh là, le hub de ouf, en raid à la tête et en raid. Le bonus de pièces, oh, c'est du toucher, c'est pas mal, mais c'est pas non plus... voilà. Ah, j'ai un beau stuff, mine de rien. J'ai plutôt un beau stuff, en vrai. La baguette est pas mal, mais ouais, dans le trinket. C'est vrai que le trinket est cool. Le trinket du last boss, c'est très énervé, hein. Là, 12. 12 spell power. Trinket du last boss est vraiment, vraiment, vraiment énervé. En plus, hein, il rendra un petit peu de mal à ce palais. Ah, mais oui, mais... Ah là 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 là. Mais tout à fait, Merka. Mais oui. Vive l'avalanche, vive le calme. Ah non, mais Lone Wolf, c'est pas faute de vous l'avoir dit. Hein. Fire Flame, Living Flame, je sais pas quoi, Lone Wolf. Tous les serveurs PVP, c'est full toxique. La valache, c'est juste trop bien. Que du plaisir. Ouais, et puis forcément ça, quoi, qui est joli, mais... C'est même pas... C'est un beau hop, l'épique, mais c'est même pas le plus gros des hops. Tac. L'anneau, il est sympa, sans être non plus incroyable, en vrai. Oh, c'est un petit hop, quoi, mais c'est pas dingue. Non, bah ouais, ce sera le bonus 3 pièces, quoi. Le bonus 3 parts, hein, qui va carry hard. Bon, Bengalash en solo, ça paraît peut-être un peu tendu, hein. Mais bon. Du tout. Après, c'est pas compliqué. S'il y a PVP devant, même si c'est PVP RP, ça pue du cul, généralement. Hein. Si tu veux être tranquille, viens sur du serveur JDR PVE. Hein. JDR PVE, c'est parfait. C'est vraiment le... Ah, c'est... Comme je le dis et je le répète, c'est le meilleur des WoW. Depuis WoW. J'ai gardé la quête des fétiches ou je l'ai fait sauter au final? Ah c'est bon, je l'ai gardé. Tu feras un TP, on fera Bengalash en le PVP. Avec plaisir, tu viens ou pas toi pour le PVP? Ouais, ok. Franchement, Demon, tu le regretteras pas. Oh tiens, sauvageon. Sur un mob.
Tu le remettras pas. Enfin, tu le remettras pas. Après, j'ai plein de viewers qui n'ont pas accroché, hein, qui préfèrent Retail parce que SOD, c'est trop lent, c'est pas assez quality of life, tu vois, genre le truc. C'est pas pour tout le monde non plus, hein. Et c'est pas grave si on vous aimez pas. Hein. En 2005, j'étais sur Kazmodan. Ah, bah, je connais bien. T'es resté jusqu'à quand sur Kazmodan, Merca? On a été sur Kazmodan, nous, en 2008 à 2010. Happy Trigger Geek. Eh ben, bonne soirée à toi, GG pour le raid. Ah bah, oh, plus de même connaître, non, à l'époque, là-bas. Dans ce cas-là. Ah, mais ça, ça dépend, t'étais Alliance ou t'étais hors, toi? J'avais rejoint la fraternité Verbena, moi, côté hors. Ah, oui, c'est ça. J'ai l'impression, on n'a pas déjà eu cette conversation. Pas sûr, on a déjà eu cette conversation. J'ai une sensation de déjà-vu dans cette conve. Vraiment, c'est patience, exploration, lecture, Demon. Si je devais décrire SOD, quoi. Et beaucoup de plaisir. Beaucoup de plaisir. Tout le charme de... En gros, je sais pas si t'aimes bien les bagnoles, mais c'est un peu comme un resto mode. C'est d'avoir un stuff qui te fait de la rejet de mana, vite. Pour que t'aies le moins... Tout le charme de classique. C'est ça. Mais avec, justement, la modernité d'un vrai MMORPG, quoi. Ah, il y a Pookie, il va peut-être vouloir venir pour les votes. Ouais, il va revenir. Alors attends, on quitte, plus personne n'a besoin de nous. Il y a Fort en Pomme qui veut venir, il y a toi, il y a Pookie. Enfin, Pookie, alors, je suppose. Fort en Pomme. Twitch, invité. Est-ce qu'il y a d'autres? Slash, G. Pour le PVP. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, pour les NIB. Leur force, c'était avant tout leur discipline de raid, d'ailleurs. Parce qu'individuellement, ils étaient bons, mais c'était pas extraordinaire. C'était, par contre, en raid, c'était bluffant. Bien sûr, bien sûr. Nous, nos concurrents directs, c'était les CCC, côté Alliance, qui était le... On était une guilde raid 10, hein, et c'était vraiment les numéros. Ils étaient très, très forts, les CCC. On était juste derrière eux, mais ils étaient vraiment meilleurs que nous, pour le coup, en termes de raid 10, quoi. Nip, par exemple, on n'avait rien à leur envier en 10, mais ils étaient une belle guilde, hein, en 25, ils envoyaient du lourd. Mais ouais. Bah alors, c'est pas forcément Demon, tu peux rejoindre la guilde, hein, tu sais. Allez, c'est une guilde communautaire, hein, point d'exclamation guilde, au cas où. Elle est là pour ça. Hein. Tu viens en tout cas sur la Valache, hein, après tu peux tirer. Hein. On avait, je sais pas si tu connais, te rappelles du site Yofik Merca, qui était justement créé, je crois, par les mecs de CCC, qui était le classement du serveur. Je connais pas du tout, désolé. Ouais, la guilde n'a pas pour but de traire, des mains sur une guilde communautaire. Alors, on est une vraie guilde PVE et tout. Hein. On fait aussi du PVP, preuve en est. Mais on a enfin le but du jeu, c'est vraiment qu'on accueille. Enfin, si vous voulez venir vous jouer, vous venez jouer. Quoi. Il y a plein de gens, toi, qui ne raident pas, par exemple, qui n'ont ni soit le temps, soit pas l'envie, je sais pas, mais qui ne raident pas du tout. Quoi. Il n'y a pas de souci avec ça. Hein. Tu veux jouer quoi, toi, comme rôle, Demon? T'es pas healer par hasard, hein. Vraiment par hasard. Hein. Non, j'arrive sur Discord. J'ai 15 000 trucs d'ouvert, je moi. Sur Discord, vas-y, je vais mute. Vas-y, ferme ta gueule, bim. Tu te mutes. Ah, on fait ça via mon micro? Oui, bah. Ok, pas de soucis. Et toi, ils t'entendent pas bien. Sur... Je serais bienvenu, mais en chaman, on sait. Oui, oui, voilà, oui, non, en chaman, ça va être dur. Ça, c'est parce qu'il fait pas d'effort. Ça, j'avoue. Pas d'effort. C'est vraiment de la merde, la quête des défenses que Splitter, hein. Ça ne tombe absolument c'était pas. C'était cool le raid ce soir. C'était très cool le raid ce soir. Bon, on a dez un ou deux trucs, mais sinon... Pas trop, ça va. On a dez l'arme de Pugila. Ouais. Ce qui est surtout triste, en vrai, c'est que même le dez, il est pas ouf, quoi. C'est un petit éclair irradiant, pas un gros luminescent. On a dez un deuxième truc, non? Ouais, Au début, il y avait un truc... Peut-être, je sais plus.
Moi je suis content, je suis bienvenu. À toi, oui, toi t'es... Moi je suis bien. C'est pas le fusil qu'on a donné. Ah, c'est le fusil. Non, Niben. On l'a donné, non, Niben l'a eu. Niben l'a eu. Peut-être que c'est le fusil, ok, je pense. Ça, les boss, c'est propre. Oui, les boss, on les a tombés. Il y en a qu'on a first try un peu limite, mais au moins on les a first try. Du genre... Le frère de Tuco, et c'est pas le frère de Tuco, c'est le pote. Il peut s'inscrire, c'est à lui de s'inscrire par contre. Ah, oui, bien. Celui qu'on a bien géré, paradoxalement, c'est le quatrième boss, celui avec la foudre. Parce que très tôt, on a eu un wipe de deux personnes et on a quand même réussi à le tomber. De trois personnes, la trick, c'est morte, elle était raise. Ah, mais bon, au final, on l'a fini à 8 le boss. Alors qu'on a eu des morts genre à 80%. Moi, je fus abandonné. Donc, c'était plutôt 3. Oui, c'est vrai que j'ai été le seul à pas être raise. Parce que la trick, elle est remorte ensuite. Ah bah, et moi, on m'a dit, va chier, connard. Pas très gentil, hein. Ouais, mais on t'a dit ça, mais cordialement, là. Ouais. Donc ça va. Ça va. Bon, le deuxième boss, c'était une blague. Oui. Même en laissant passer deux ads. C'est comme... Après, Demon, c'est comme tu le sens, hein. Je vais pas te le cacher, ça dépend ce que tu veux faire après, si tu veux jouer en cas, tu t'en fous. En tant que rogue, c'est compliqué, ça sera compliqué. Il y a beaucoup de mêlées, et maintenant, il y a pas mal de rogues. Donc, une place en rogue, en raid actuellement, dure. En range... DPS des distances, ce que tu veux. En heal, avec plaisir. Et voilà. Globalement. Alors attends, je vois Pookie qui est actuellement à B du butin. Et les autres, je sais pas. Moi je suis en fly. T'es sur place toi, Ice? Ouais, je fais les quêtes. Alors attends, on va essayer de trouver en slash 1 un dernier. Un petit last. Okay. Et là tu vas voir un des nouveaux trucs de cette phase 2. Qui est donc l'event. Ah, il est quand même dur. L'event PVP. Parce qu'on fait du PVP aussi, mais du PVP consentant. Si tu dis qu'on le cherche un SDD normalement. Oui, ça devrait être. Ça vient. Je suis pas inquiet. Je vais revenir à bas du butin vite fait. Oh, les défenses de Soul Splitter qui montent. Il est arrivé 40 il y a pas longtemps. Pologue. Ah, oh, Pollock, GG. Ah oui. D'accord, qui était pas 40. Ouais, tiens, attends, on va lui faire. GG, Pollock, 40. Ah, voilà, go. À distance en plus. Et non, un buff, un tel en plus. Ouais. Ah, moi je suis content! Ah, putain, le PNJ il est à Ferlas sur une montagne. C'est un PNJ avec du butin qui le transporte là-bas. Bonne nuit, Joshin! De quoi? La quête à Ferlas pour le processeur. Ouais, le processeur, ouais, il faut se faire TP depuis B du butin. Ouais. Ah putain, donc là t'es allé à Ferlas pour rien, c'est ça que tu dis. Voilà! J'ai failli y aller, je me suis dit, je vais d'abord aller à l'event PVP, bah je suis content, tu vois. Ah, c'est, ça tombe bien de TP vers B du butin là. Ouais. Merci. En laissant jamais le mage. Ouais, mais je suis tout seul moi là donc. Il oh, y a Pookie et je vais pas pouvoir TP. J'arrive. Ouais, bientôt là. T'es où? T'as pris le fly B du butin toi Pookie ou Lucas ou Darkshire? Non, je suis Nord. Darkshire? Ok. Darkshire. J'arrive à Darkshire pour aider une quête en plus donc ça m'arrange. Pookie, il veut pas venir sur Discord. Oh bah non, mais c'est très bien, le temps qu'il fasse ses trucs et tout, voilà. C'est Pookie. Hein? Bon. Il vient à son rythme. Ah bah Pookie aussi tient la quête de Bangalash. Ah bah je veux bien, ça me dégagera une quête. Ça, rien que ça, c'est joie. Ça ferait les PO et Dieu sait que j'en ai besoin, putain. Même moi, je peux pas le solo. Hunter cheaté à la con. Con de Hunt. Putain, ça me manque là, un petit Icy. Ah, mais je peux me faire un Oli Icy. Ah, un petit Oli Icy là. Est-ce que je peux négocier ça avec Nat? Attendez, on va essayer ça. Ou un petit Oli hydratation. Point d'exclamation Oli. Nat. Elle est ouf. Natal. Tu me fais un Oli Ice Tea Mangue STP. Un petit Oli Ice Tea là. Passerait bien ça là. Ah, il chauffe un chouïa presque ton PC hein. Ah, il souffle. Il respire. Il est vivant. He's alive.
Deuxième. Tu pourras avoir sur la CG. 66. Oh, ça va. C'est le Proco qui l'a un peu plus chauffé avec vous, mais... Ça va. Mais ouais, mais donc ce stuff irradié, c'est vrai qu'on se demandait si c'était vraiment... Bah ouais, hein, c'est... vraiment un stuff irradié, ça sort de nulle part, ce truc. Et que en tissu, par contre. C'est trop bizarre. Pourquoi ? En mode full glass canon. C'est ça. T'as moins 10. Franchement, à la fin, t'as moins 35. T'as moins 30 d'endu. Ah non, moins 35, t'as raison, excuse-moi. Moins 35 d'endu. Moins... T'as de la... Moins 10 agi, moins 5 force. T'as de la RN par contre, c'est vrai que t'as quand même un peu de RN. Ouais, c'est marrant, c'est vraiment marrant. Et par contre, il fait effectivement plus de spell power sans compter le proc. Ouais, t'as pas intérêt. Ouais, le proc, faudrait voir la fréquence du proc. Bah, je verrai quand je jouerai. Mais t'as pas intérêt à te prendre une aggro. Non. Sachant que t'es en glace canon, que tu vas reprendre l'aggro. Non. Puis clairement, je pourrais pas. Moi par exemple, je pourrais pas tanker avec ça. L'avantage sur le monde 7 à moi, c'est qu'il y a le bonus d'armure sur les pièces. Non, mais typiquement Pollux. Pollux. Ah, pour Mash, c'est superbe. Mais c'est con d'avoir mis un... En vrai, c'est con d'avoir fait ça, ils auraient dû le mettre en bot et tu choisis entre les deux, parce que là, on est dans la situation où si on donne une bot plus cette bot, hein, enfin, tu vois... Je vois très bien, et je suis complètement d'accord, mais c'est... C'est con. C'est bizarre, hein, classique, qu'est-ce que je te dis. Salut Pouki. Salut Pouki. On se regroupe pour faire un TP. Ouais. Du coup, bon, bah, c'est attends, tout. Ah, tu descends là ? Merde, ok. Tac. Allons vers Bengala. Je voulais. On le fera peut-être après l'event. Oh, on a le temps, 20-51. Si on TP, là, ça le fait. Hein. Et j'ai pas trouvé de las, moi, hein, d'ailleurs. LF, 1DPS, for STV, event. LF, 1DPS, for STV, event. Ouais, on va le déchirer en deux. Attends, Pouki, on va TP fort en pomme. On arrive vers toi. Ah, c'est bon, j'en ai un. Mi. Un paladin. Allez, très bien. Un paladin. Ah, c'est bien. Et il est, je sais pas où. Il est à Darkshire. Oh, bon, il est pas loin. Northern Altar, oh là. Après, je te laisse le tir. Hop, on remet Azelos en boss. Azelos, moi je suis. Ok, bon, allez, go fumer ce tigre. Ah, c'est bon. Tu es là, Lucas. Tu es là, je fais un TP. Je ne peux pas, je suis en combat. Il y a quelque chose qui va me. Ah, il y a un brancheur chachi mes couilles là. Bon, Pouki, on le voit un jour en raid ou. Bah, c'était pas ce soir. T'as été au ciné ou pas d'ailleurs au final? Ouais, mais c'est bon, samedi, ouais. Samedi il a changé. Ouais. Et Argyle alors? Ouais, c'est vrai. La 3D plus la merde. Ah, mais t'as été en 3D? Ou les... Ah non, les effets spéciaux, non, tu veux dire? Non, les effets spéciaux. Non, les effets spéciaux d'Argyle sont un peu grossiers. Tu t'en fous, hein, vu que c'est pas, tu vois, un truc de super-héros, machin. C'est pas très important, mais c'est cool. Sinon, Pouki, le raid il a changé. Il va être deg là, oh là là. L'ID elle reset ce soir. Et bah. À nouveau. En fait, on a fait un raid ce soir et on a déjà l'ID qui reset, donc demain raid et dimanche. Go Bengalash en 2-2. On a le temps. Donc si demain il y a raid, hein. Si tu veux t'inscrire demain, il y a raid. C'est déjà full là. C'est déjà full. Ah, full de chez full. Bah, dimanche du coup. Et dimanche. Non, il y a encore une place. Effectivement. Ah ouais. Dimanche, il y a encore la place DPS. Et ça fera en plus un autre distance. Faudrait que Softon Wet, il... Attends, hop. Tu l'as envoyé le... Ça, hein. Ah bah non, mais putain, dimanche, je suis sur BG. Et ouais. Ah, il est deg. C'est cool. c'est Blizzard qui a changé ses ID. Hein. Moi, j'y crois. Non, mais c'est des pilotes. Vous êtes sûr que ça... Ah oui, c'est un changement de... Enfin, ils ont fait un... Il y a eu un bug, du coup, l'ID, là, il reset dans 5 heures. C'est marqué sur notre truc. Vraiment des glaçons. Donc merde. Voilà, c'était pour s'excuser d'un bug, ils font reset l'ID ce soir pour donner une ID en plus. C'est day. C'est con. Hein. Oh. Demain c'est déjà complet. Donc, bah vendredi non, puisque l'ID. Si on fait les jeux, si on fait demain une ID. Oui bah là tout le monde vient déjà de s'inscrire, je veux pas. Ah y'a tout. Mais t'es inscrit hein, pour samedi. Hein. Bah oui, bah blame Blizzard. Bah VDM. Qui change ses... Attends, est-ce que ça brûle... Ah, c'est bon.
J'allais être méchant. De toute façon, pour qui tu veux pas être? Je suis devant Ben Galash. Vous êtes là ou pas? T'es devant Ben Galash? Ouais, ouais. Je suis les tigresses. Ouais, on peut pas le faire solo parce que il a des panthères des ombres à chaque fois en fait. Et là, il en reste. Donc il y a un range. Ouais, mais là, il va se faire. Non, mais deux panthères, c'est normal. Ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est que lui, il va se faire. Il fait des toiles. Mais vu que je le cache un peu, en fait, il y a de plus en plus de panthères des ombres qui viennent. Au moins, ça fait du dépeçage. Ah, il s'est fait trouer le fion, la benga. Benga, 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 benga. Alors, venez, on remonte. Tu en mets les symboles, Lucas. Ouais, je mets les symboles. Chez que t'as tenté. Chez. On va attendre. Ah, bah, comme d'hab, hein, ça, écoute, hein. C'est la vie, hein. On est condamné, on l'a dans notre vie, on aurait dû le dégager avant, Pookie, mais voilà, maintenant, on devra attendre toute notre vie. Voilà. Après, je vous accélère la DPS sur les joueurs. Ouais. Enfin, tu fais un trade shock, quoi. Lucas, il vient de Lucas, il se TP pour faire un backstab. Benga, benga. Pop, 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 Lucas, pop. Faut qu'il reste à côté de nous deux, justement, pour se... Oui, bah, c'est ça. Donc, ça. Putain, ça a l'air vraiment cool, à cette époque, hein. Aussi, hein. Je regarde un peu là, chez Talion à côté, lui, elle a l'air quand même bien clean, hein. C'est vraiment sorti. C'est sorti aujourd'hui, ouais. Et il y a un gros pic, déjà un pic à 150 000 joueurs, hein. C'est pas mal. Pas mal. Y'a trop de jeux. Helldiver, ça a l'air cool. Enfin, à cette époque, ça a l'air cool. Et donc, ouais, vas-y. Non, mais j'ai vu à l'arène, à chaque fois, c'est le baston aussi. Oui, il est souvent là-bas. Bah, de toute façon, il y a souvent des bastons un peu partout. Après, est-ce qu'on commencerait pas pour une fois, j'aurais dit à Gros Bachier, ça, genre, qu'à chaque fois. Oui, mais tu vois où on est? Là, c'est trop tard. Ah, bah oui, oui, bon, bah. On met le turbo sur les montures. T'as pas la nitro, toi, sur la tienne? 2 minutes. Non, 4. Hein? Moi, oui. Toi, chez toi, il y a 4 minutes. Ouais. Moi, il reste 2 minutes. Je suis en local time. Ah, moi, je suis hors du royaume. Ouais, mais parfois, s'ils prennent le local time, et parfois. Ah, oui, je peux. Ah, parce que t'as cliqué utiliser l'heure locale. Ouais. Il vaut mieux utiliser l'heure locale. L'heure du royaume, elle change tout le temps, c'est casse-couille. Bon, je vais faire utiliser l'heure locale. Ah, ouais, mais c'est la peur. Bah, je sais pas, parce que moi, justement, j'avais au début l'heure real time. Non, il est 23h50. Attends, IRL, il est quelle heure? Tu peux valider le pote de Tsuko, putain, Joshin. Oh, le retour. C'est leur local, ouais, qu'il faut mettre. Oui, c'est ça, c'est leur local, la vraie. L'heure du royaume, c'est leur niqué. Et par contre, normalement, ça. Il est validé. L'heure du royaume. Mais je suis pas sûr. Moi, j'ai déjà eu des moments où l'heure du royaume, il est 58 et tout d'un coup, ça commence et je fais quoi? Tiens, on pourra profiter pour valider Ben Galash. Est-ce qu'il y a du monde d'ailleurs au camp. Mais quoi? Benga, benga. Benga, benga, benga. Okay. Donc, faut utiliser leur local. Ah, bah, très bien.